Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à tricoter votre premier chandail. On va tricoter ensemble, pas à pas, le chandail que je porte, qui est mon nouveau patron que j'ai conçu spécialement pour vous initier au tricot de chandail. Si vous êtes débutant, que vous n'avez jamais tricoté de chandail de votre vie, donc cette vidéo est là pour vous. Et aussi, si vous avez déjà tricoté peut-être un chandail ou deux et que vous étiez un petit peu insécure tout au long du processus, que vous n'étiez pas certain que vous faisiez les choses correctement, cette vidéo est également pour vous. Donc, les prérequis pour pouvoir tricoter ce chandail-ci, c'est tout simplement de savoir faire des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, de monter des mailles et de rabattre des mailles. Une fois que vous savez cela, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous lancer vraiment sans problème. Qu'est-ce que vous avez besoin? Tout d'abord, avant de commencer, c'est de vous procurer le patron. Le patron est en vente sur mon site internet et sur Ravelry. Je vais vous mettre dans la barre de description de cette vidéo un lien pour vous procurer le patron. Une fois que vous avez téléchargé le patron, vous allez voir, il y a une liste du matériel requis, mais en gros, vous avez besoin de laine et d'aiguilles à tricoter. Moi, la laine que j'utilise tout au long de cette vidéo, c'est la Petite Wool de We Are Knitters, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle laine de grosseur bulky. Et je vous propose aussi un autre choix avec de la laine québécoise dans le patron, là, qui est la Nueva de Fibre Carpetium. La seule différence, c'est que la Nueva, il faut tenir les deux brins du fil ensemble pour tricoter le modèle, alors que celle-ci, elle est plus grosse, on la tricote avec seulement un brin. Donc, si vous êtes vraiment très, très débutant en tricot, ça peut être un petit peu plus difficile de tenir deux brins, donc je vous conseille d'y aller avec une laine de cette grosseur-ci plutôt qu'avec la Nueva. Donc, on commence tout de suite avec l'échantillon. La toute première étape avant de débuter notre projet, c'est de faire un échantillon. C'est particulièrement important lorsqu'on tricote un chandail parce que si on tricote plus large ou plus serré que l'échantillon qui est recommandé dans le patron, notre chandail va être soit trop petit ou trop grand et on va avoir passé plusieurs heures à tricoter un chandail qu'on ne pourra pas porter au final parce qu'il ne nous ira pas bien. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre une soirée, de s'asseoir tranquillement et de faire cette étape-là. Je vous dis, ça va vous sauver bien des larmes. Donc, un échantillon, qu'est-ce que c'est? C'est un carré qu'on tricote avec la même laine et les mêmes aiguilles que le chandail qu'on va tricoter. Ce carré-là doit faire plus que 10 cm, mais on va prendre les mesures sur 10 cm. C'est bien important de faire un carré de plus de 10 cm car souvent au bord ici, nos mailles vont être plus larges qu'elles ne le sont vraiment au centre de notre tricot. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de monter 20 mailles. Vous pouvez faire quelques rangs au point mousse au début et à la fin. Ça va empêcher de trop rouler. Puis la même chose aussi, là, moi je fais toujours les deux premières mailles et les deux dernières mailles au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers. Alors que le reste, il faut le faire au jersey, étant donné que notre chandail est tricoté au point jersey. Le point jersey, c'est lorsqu'on tricote à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Ça va vraiment donner ce tissu très caractéristique là, du tricot avec tous ces petits V comme ceci. Donc là, moi, je vous dis, j'ai monté 20 mailles, j'ai tricoté un petit peu plus que 10 cm pour vraiment pouvoir prendre ma mesure de 10 par 10 cm au centre de mon tricot. C'est bien important aussi de venir faire tremper votre échantillon dans l'eau et le faire sécher tout simplement à plat. Vous faites juste l'aplatir comme ceci. Ne mettez pas d'épingle parce que votre chandail, vous n'aurez pas besoin de l'épingler à la fin. Il faut vraiment lui faire le même traitement qu'on va faire à notre chandail à la toute fin. Donc, vous venez le faire tremper dans l'eau, vous l'épongez délicatement avec une serviette et vous le faites sécher. Une fois que votre échantillon va être sèche, donc prenez votre règle, ou moi aussi j'ai un vieux galon de couture, vous allez positionner le début avec le début d'un petit V. Chaque maille, c'est les petits V qu'on voit ici. Là, je vais mesurer combien j'ai de petits V dans 10 cm ou dans 4 pouces. C'est la même mesure, tout dépendant si vous fonctionnez en pouces ou en centimètres. Donc, on va les compter ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Donc, j'arrive parfaitement aux 13 mailles par 10 cm ou par 4 pouces que je vais avoir dans le patron. Et on fait la même chose sur la longueur. Puis, à ce moment-là, il faut que vous veniez calculer les petites lignes comme ceci. Chaque petite ligne, c'est une maille. Puis, faites bien attention de commencer à calculer
en haut et en bas de chaque petite moire. Je vous dirais, l'échantillon en nombre de rangs est beaucoup moins important dans le patron que l'échantillon en nombre de mailles. Donc, si vous avez l'échantillon en nombre de mailles, là, vaut 13 mailles dans 10 cm, mais que celui en nombre de rangs varie légèrement, c'est pas grave, vous pouvez y aller avec les bonnes aiguilles. Il y a de très bonnes chances que du premier coup, vous n'obtenez pas vos 13 mailles dans 10 cm comme il est recommandé dans le patron. Si vous avez plus de mailles, c'est-à-dire si vous avez 14 ou 15 ou 16 mailles dans 10 cm au lieu de 13, ça veut dire que vous tricotez un petit peu plus serré que moi dans le patron. Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est d'utiliser des aiguilles plus grosses que les 8 mm avec lesquelles vous avez fait l'échantillon. Si vous obtenez moins de mailles, ça veut dire si vous vous retrouvez avec quelque chose comme 10, 11 ou 12 mailles dans le 10 cm, ça veut dire que vos mailles sont plus grosses que les miennes. Donc, il faut venir diminuer la taille de vos aiguilles. Vous pourriez passer par exemple à des aiguilles, là c'est des 8 mm. Vous pourriez prendre une aiguille d'une taille inférieure à celle-ci. C'est bien important, peut-être que vous allez avoir besoin de faire deux ou trois petits échantillons comme ceci. Ne vous inquiétez pas, à la fin, si vous manquez de laine, vous pouvez les détricoter et les retricoter dans votre chandail. Ne les jetez pas, gardez-les en backup. Ça peut être normal d'avoir besoin d'en faire plusieurs avant d'obtenir la bonne tension. Mais je vous dis, c'est tellement une étape qui est importante parce que si vous partez avec la mauvaise tension, vous allez tout faire votre chandail pour rien. Donc, je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais en même temps, ça nous permet un peu de tester la laine, voir si on aime le tombé, si on aime le rendu, tester un peu les aiguilles, si on aime tricoter avec des aiguilles en bois ou en métal ou quelque chose comme ça. Fait que voilà. Donc maintenant qu'on a fait notre échantillon, qu'on sait quelle taille d'aiguille utiliser et quelle taille tricoter, on peut commencer notre projet. Donc la première étape, c'est de monter les mailles. Je vous dirais que pour ce projet-là, vous pouvez vraiment utiliser la technique de montage des mailles de votre choix. Vraiment n'importe lesquelles peut convenir, à part un montage provisoire. Ça, je vous le déconseille fortement. Mais n'importe quelle autre technique de montage des mailles, ça va convenir puisque le montage n'est pas apparent. Moi, celui que j'utilise toujours, c'est le long tail cast on. Si vous voulez apprendre cette technique-là, je vous mets un lien dans la barre de description de cette vidéo. Il y a également un lien dans le patron pour une vidéo exclusivement réservée à cette technique. Donc, moi, je fais la plus petite taille, donc je vais monter le nombre de mailles qui est écrit dans le patron et je vous reviens. Donc, j'ai fini de monter mes mailles. On va passer au premier rang qui est le rang de mise en place. C'est un rang sur lequel on va positionner des marqueurs pour venir nous aider plus tard à relever les mailles pour faire les devants du chandail. Donc, pour ma taille, je dois tricoter 14 mailles. Donc, mes 14 mailles sont tricotées, puis le patron vous dit de placer un marqueur. Donc, utilisez les petits marqueurs qui s'ouvrent et referment. Vous pouvez utiliser aussi une épingle de sûreté ou même un trombone. L'important, c'est juste que votre marqueur s'ouvre et se referme. Puis, au lieu de venir le placer sur une aiguille comme on ferait normalement, vous allez venir le piquer dans votre petite bordure de montage de mailles. Donc, moi, je viens juste le piquer ici. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Là, justement, il faut être capable de l'enlever. C'est juste pour mieux vous aider plus tard à relever les mailles. Ensuite, je tricote un autre nombre de mailles, puis je vais revenir en positionner un vers la fin aussi de mon tricot. Donc, le rang de mise en place est terminé. Vous devriez avoir un long serpent comme ceci avec vos deux petits marqueurs. Puis, vous devriez être sur un rang à l'envers. On va tout de suite débuter le rang 1 des rangs raccourcis. Les rangs raccourcis, si vous voulez avoir plus de détails à ce sujet, encore une fois, il y a un lien dans le patron qui explique qu'est-ce que c'est. Et il y a aussi un lien dans la barre de description de cette vidéo pour vous expliquer vraiment en détail qu'est-ce que c'est. Mais vous pouvez simplement suivre avec moi aussi. Donc, c'est un rang à l'envers. Je vais tricoter un certain nombre de mailles à l'envers. Donc, moi, pour ma taille, c'est 43 mailles à l'envers puisque je fais la plus petite taille. Fait que juste à suivre dans le patron le nombre de mailles que vous devez tricoter.
Donc, j'ai tricoté mes 43 mailles. Vous voyez, vous devriez être un petit peu dépassé, là, tout simplement, de le deuxième marqueur. Le nombre de mailles entre le marqueur et où ce que vous êtes rendu, c'est vraiment variable d'une taille à l'autre, mais c'est seulement quelques mailles. Puis, à ce moment-là, je vous dis de tourner votre travail. Donc là, je suis sur l'envers, je vais tourner mon tricot sur l'endroit. Et là, c'est écrit au rang 2. C'est écrit « Créer une double maille ». Une double maille, c'est une technique pour faire des rangs raccourcis qu'on appelle des rangs raccourcis « German Shot Roll », les rangs raccourcis à l'allemande. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir emmener mon fil sur l'avant pour faire ma double maille. Je vais glisser cette maille-ci sur mon aiguille de la main droite. Je vais venir tirer sur mon fil, le lever vers les airs. Et là, vous voyez, au lieu d'avoir une petite maille comme ça, je me retrouve avec une maille qui a deux brins. C'est ça qu'on appelle la double maille et c'est ça qui va nous permettre de faire des rangs raccourcis. Donc là, la prochaine maille que je dois tricoter, c'est une maille à l'endroit. Ensuite, il faut que je tricote, moi pour ma taille, 31 mailles à l'endroit. Donc, je vais venir tricoter cette maille-là, toujours en gardant mon fil vers en haut et je tricote cette maille-là à l'endroit. Donc, je vous montre plus en détail ce que ça fait. Ça vient faire comme un genre de petit X. C'est en fait une maille qui a deux pattes. Ce n'est pas une augmentation, c'est vraiment juste comme un point de pivot pour pouvoir commencer à tricoter dans l'autre sens. Ça, faut pas compter ça comme deux mailles, on tricote ça vraiment comme une seule maille, mais c'est une maille qui est double. Donc là, je vais venir tricoter mon autre nombre de mailles qui est 31 mailles. Puis ça devrait m'amener un petit peu dépasser le prochain marqueur. Pas le premier, là, mais le deuxième. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes. Donc, j'ai tricoté mes 31 mailles que j'avais besoin pour ma taille. Et là, à la fin, on est à la fin du rang 2. Ça dit encore une fois de tourner le travail. Et au début du rang 3, maintenant, je dis encore une fois de créer une double maille. Donc là, mon fil il est déjà sur l'avant. Je n'ai pas besoin de le ramener plus sur l'avant qu'il l'est déjà. Je glisse cette maille sur l'aiguille de la main droite. Encore une fois, je vais lever ça dans les airs pour venir créer ma double maille. Et là, comme ma prochaine maille que je dois tricoter, est une maille à l'envers, je vais venir tourner ce fil-là pour le ramener à l'avant. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment ma petite maille double ici. Je ramène mon fil à l'avant et je vais tricoter. Comme là, pour ma taille, moi, on dit de tricoter jusqu'à la prochaine double maille. Donc, je vais me rendre en tricotant à l'envers jusqu'à l'autre double maille que j'ai tricoté au rang précédent, qui est juste ici. Donc voilà, j'ai tricoté à l'envers jusqu'à la petite double maille que j'avais faite au rang précédent. Et cette double maille-là, je vais la tricoter pour la faire revenir, dans le fond, une maille normale. On va tricoter ces deux brins ensemble. Fait que là, je suis sur l'envers, donc je vais prendre les deux brins, hein. Je vais tricoter les deux brins ensemble à l'envers, comme ceci. Voilà, là, serrez bien, là. Là, ça va faire un petit peu bizarre au début, mais vous allez voir quand vous allez tricoter, tout va bien se placer. Puis là, moi, pour ma taille, je dois tricoter 3 mailles, puis tourner le travail. Donc, je tricote 3 autres mailles. 1, 2, 3. Et je tourne à nouveau le travail pour me rendre au rang 4. Là, encore une fois, je crée une nouvelle double maille, donc j'amène le fil sur l'avant. Toujours amener le fil sur l'avant ou s'assurer que le fil est sur l'avant avant de faire la double maille. Glisser cette maille-là sur l'aiguille de la main droite. Amener le fil vers l'arrière. Oups, j'ai vraiment mes deux mailles. Et là, je vais à nouveau tricoter à l'endroit jusqu'à la double maille qui est située de l'autre côté, ici. Donc voilà, je suis rendue jusqu'à ma prochaine double maille. Là, cette fois-ci, je suis sur l'endroit, donc je vais tricoter les deux brins ensemble à l'endroit.
comme ceci. Puis, je tricote le nombre de mailles. Pour ma taille, moi, c'est 3 mailles, mais c'est vraiment variable selon la taille que vous tricotez. Et voilà, mon rang 4 est fini. Je tourne mon travail. Là, dans le patron, on vous dit qu'on doit répéter à nouveau 2 ou 3 fois là, selon la taille que vous faites, les rangs 3 et 4. Donc là, je serais rendue à recommencer un nouveau rang 3. Donc, je m'assure que mon fil est sur l'avant. Je glisse la maille sur ma maille de droite pour écrire ma double maille. Je tire vers le haut. Oups, j'ai vraiment ma double maille. J'amène le fil vers l'arrière et je tricote à l'envers jusqu'à la double maille qui est située à l'autre extrémité de mon tricot. Et on répète cette séquence-là pour le nombre de fois qui est indiqué. Donc, je suis rendue au rang 5. J'ai terminé les répétitions des rangs 3 et 4. Là, vous devrez être rendu pas mal au bord de votre tricot. Là, le nombre de mailles qui reste, ça varie d'une taille à l'autre. Moi, pour la taille X mailles, il m'en reste 2. Mais comme je vous dis, ça varie un petit peu. Et là, première chose à faire au rang 5, c'est je viens créer ma dernière double maille. Donc, mon fil est sur l'avant. Je glisse ma maille sur cette aiguille-ci. Je ramène vers le haut. Et là, je tricote à l'envers. Jusqu'à la double maille à l'extrémité complète de mon tricot de l'autre côté. Puis ensuite, je viens tricoter à l'envers jusqu'à la toute fin de mon rang cette fois-ci. Les rangs raccourcis vont être terminés. Donc voilà, je viens de terminer mon rang 7. Là, c'est normal que ça roule. C'est du jersey. Le jersey, ça roule tout le temps. Ne vous inquiétez pas, une fois que votre chandail va être terminé, il ne roulera pas comme ça. Là, ce que vous devriez avoir, c'est, vous voyez ici, vous avez comme une sorte de forme de trapèze, en fait. Ça ici, ça vient faire une genre de ligne diagonale. La partie du centre est vraiment toute égale. Puis, les rangs raccourcis vont avoir formé ici aussi là, une sorte de diagonale comme ceci. C'est ça, en fait, qui va venir former la forme qui va venir s'asseoir sur le dessus de vos épaules. Donc, les rangs raccourcis sont terminés. Maintenant, pour terminer, ça, c'est vraiment la pièce du haut du dos. Pour venir terminer cette pièce-là, c'est tout simple. Vous continuez de tricoter en jersey en droit, comme ça, en aller-retour, jusqu'à temps que votre pièce mesure la longueur qui est écrite dans le patron. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard lorsque je vais avoir terminé de tricoter ma partie pour vous montrer comment prendre la mesure à ce moment-là. Donc, voici à quoi devrait ressembler la pièce du dos. Ça donne un genre de gros rectangle avec les parties là ici en raccourci qui viennent donner une forme un petit peu trapézoïde dans le haut. Il faut que cette pièce-là soit d'une certaine longueur, là, comme c'est indiqué dans le patron. Moi, je fais la taille X mal, donc il faut que ça mesure 6 pouces. Donc, il faut mesurer sur le côté, vraiment ici, au bord de votre tricot. Vous pouvez utiliser un ou l'autre côté. Là, la mesure est supposée être la même des deux côtés. Donc, vous prenez votre règle ou votre galon à mesurer et vous mesurez comme ceci. Fait que là, moi, je suis arrivée à ma mesure qui est demandée. Donc, ma pièce du dos est terminée. Je vais mettre ces mailles-là en attente. Là, si vous utilisez des aiguilles interchangeables comme moi, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'enlève mes aiguilles, mais je laisse mon tricot sur mon corps. Là, je mets seulement les petits embouts là, pour ne pas perdre mes mailles. Puis, ensuite, on va débuter le devant gauche. Donc là, on va maintenant tourner notre pièce comme ceci. Là, on voit les marqueurs qu'on a placés, c'est maintenant qu'on va les utiliser. Donc, celui à gauche ici, c'est le marqueur 1. Celui-ci, c'est le marqueur 2, comme vous pouvez voir sur le schéma dans le patron. Là, pour le devant gauche, on va partir du marqueur 1 et on va relever les mailles jusqu'au bord ici. Donc, on va relever le nombre de mailles indiquées là, ici. Fait que dans le fond, c'est tout simple, vous allez relever une maille pour chaque maille montée juste ici. Puis, je vous montre comment faire ça. Ah, fait que j'ai mon marqueur 1 et je pars du marqueur 1 et je vais relever les mailles jusqu'au bord du tricot. Donc, pour relever les mailles, c'est pas sorcier. Faut juste prendre son temps. Donc, moi, ce que je fais, c'est que vous voyez ici, j'ai mon petit V qui forme une maille. Je viens mettre mon aiguille dans ça.
Puis, je reprends mon fil. Je m'en laisse un petit bout là, pour avoir assez de fil pour rentrer les fils à la fin. Je viens l'enrouler autour de ça et je viens sortir la maille comme ceci. Ensuite, prochain petit V, je fais la même chose, je pique dedans. Je prends le fil qui est attaché sur la pelote. Je viens faire comme si je tricoterais une maille à l'endroit. Encore une fois. Prochain petit V est ici. Donc, je viens piquer dedans. Je viens tricoter une maille comme ceci. Et je continue comme ça jusqu'à temps que j'aille le bon nombre de mailles, jusqu'à temps que je sois rendue à la fin. Si vous voyez que une fois que vous avez relevé vos mailles, vous n'êtes pas complètement à la fin, ça veut dire que vous les avez relevées un petit peu trop par là-bas, fait que vous êtes mieux de recommencer pour vraiment que votre dernière maille que vous relevez soit ici, là, dans la dernière maille, dans le tout dernier, le petit V de votre rang. Sinon, ça va venir créer un petit gap là, dans le haut de votre épaule, puis ça sera pas très beau. Fait que voilà, je vous retrouve une fois que j'ai fini ça. Donc voilà, moi pour ma taille, il fallait que je relève 14 mailles et vous voyez, je suis vraiment là dans la toute dernière maille ici. Donc on va faire le premier rang qui est le rang de mise en place. C'est un rang sur l'envers. Donc je tourne mon tricot. Je vais tricoter ce rang-là à l'envers. Et ensuite, je tourne mon travail, je retourne sur l'endroit pour faire le premier rang des rangs raccourcis. Ça va être exactement le même principe qu'on a fait pour le dos. Mais là, on est comme un petit peu inversé parce qu'on est dans l'autre sens. Donc, moi, pour ma taille, il faut que je tricote 3 mailles. Puis, ça dit de tourner le travail. On va venir créer une double maille, la même façon qu'on a fait pour le dos. Donc, on s'assure que notre fil est sur l'endroit. On glisse une maille. On ramène vers le haut. Puis là, ma prochaine maille est une maille à l'envers, donc je dois ramener mon fil vers l'avant. Puis, on tricote à l'envers jusqu'à la fin du rang. Voilà. Ensuite, sur l'endroit. Je tricote à l'endroit jusqu'à ma double maille. Elle est ici. Donc, je la tricote les deux brins ensemble à l'endroit. Puis, je tricote un certain nombre de mailles. Là, pour ma taille, c'est 3 mailles. 1, 2, 3 et je tourne le travail. Je viens créer une double maille à nouveau. Mon fil est sur l'avant. Je glisse cette maille-là dans l'aiguille de la main droite. J'amène mon fil par en haut pour faire ma double maille. Comme ma prochaine maille est à l'envers, j'amène le fil sur l'avant et je tricote une fois de plus jusqu'à la fin. Voilà. Prochain rang, c'est un rang en droit. Donc, encore une fois, je vais tricoter jusqu'à ma double maille. Je vais la tricoter les deux pattes ensemble. Je vais rajouter quelques mailles. Donc, on continue toujours comme ça pour venir former un genre de triangle jusqu'à temps qu'on soit rendu pas mal vers la fin. Le nombre de répétitions qui est indiqué dans le patron. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai terminé mes rangs raccourcis. Donc, je vous retrouve, je viens de terminer mes rangs raccourcis, je viens de terminer le rang 6. Puis, vous voyez, ça donne cette forme-là, ça va vous donner un genre de petit triangle. Sur l'envers,
Vous allez voir, là, c'est normal, vous avez une genre de couture là ici qui est formée lorsque vous avez relevé les mailles. C'est complètement normal. Puis cette couture-là est quand même importante parce qu'elle va venir donner de la tenue et de la structure à votre épaule. Voilà. Fait que là, la prochaine étape, les rangs 7 et 8, c'est les rangs d'augmentation pour venir former l'encolure. Donc, dans le fond, on va augmenter des mailles de ce côté-ci, du côté de l'encolure, pour venir vraiment commencer à former le rond qui va venir créer le trou pour la tête. Donc, les augmentations, on les fait à deux mailles du bord. Donc, je tricote deux mailles à l'endroit. Puis, on va réaliser une augmentation intercalaire vers la gauche. Donc, notre augmentation va s'en aller de ce côté-ci. Donc, une augmentation vers la gauche, en fait, là, vous allez venir étirer un petit peu votre tricot. Vous allez voir, là, entre les deux mailles, il y a une genre de petite barre horizontale comme ceci. C'est ça qu'on utilise pour faire les augmentations intercalaires. Donc, on va, avec notre aiguille de la main gauche, on va venir soulever cette petite barre-là en passant de l'avant vers l'arrière. Vraiment, de l'avant vers l'arrière comme ceci. Puis, on va venir tricoter cette maille-là dans le brin arrière à l'endroit. Et voilà, c'est notre nouvelle maille, elle est ici. Donc ensuite, je tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Vous allez faire un rang à l'envers, puis vous allez répéter cette augmentation-là pour un total de 4 à 5 rangs là, selon la taille que vous tricotez. Donc voilà, mes rangs d'augmentation sont terminés. Ça va vous donner quelque chose comme ceci. Là, vous avez vos deux mailles qui vont s'en aller vers la droite, puis les petites augmentations qui se dirigent vers la gauche. Ça va venir vraiment donner un joli détail comme ça ici. Fait que voilà, la partie de l'épaule gauche est terminée. Là, vous pouvez couper votre fil, mettre encore une fois ces mailles-là en attente. Puis là, on va venir refaire exactement la même chose au niveau de l'épaule droite. Donc, relever les mailles, faire les rangs raccourcis, faire les augmentations. Puis, je vous retrouve une fois que ça c'est fait. Donc, on se retrouve pour réaliser notre devant droit. Donc, sur le petit schéma dans le patron, ça ici, c'était le marqueur 2. Là, on va commencer cette fois-ci au bord du tricot à relever les mailles, puis on va se rediriger vers le marqueur. La première maille, là, vous voyez, j'ai mon premier petit V ici. Je vais venir piquer dedans, comme ceci. Je vais prendre mon fil. Encore une fois, gardez-vous un petit bout de fil là, assez long pour pouvoir rentrer les mailles à la fin. Donc, je relève mes mailles. Encore une fois, mon prochain petit V est ici. Le prochain V est là. Je viens piquer dedans. Donc, voilà. Fait qu'on continue comme ceci jusqu'à être rendu au marqueur. Donc voilà, j'ai relevé toutes mes mailles. Là, cette fois-ci, il y a deux rangs de mise en place. Donc, un que je tricote à l'envers, puis un que je tricote à l'endroit. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Je viens de tricoter mon deuxième rang de mise en place. Donc, je me retrouve sur l'envers pour débuter mes rangs raccourcis. Donc, justement, je devrais être du côté de l'encolure là, pour débuter. Donc, comme c'est indiqué dans le patron, moi, je dois tricoter trois mailles. Et 3. Puis, je tourne le travail. Donc, je me retrouve sur l'endroit. J'amène le fil devant pour venir créer ma première double maille. Je glisse la maille sur l'aiguille de la main droite. Je lève le fil vers le haut pour venir créer ma double maille. Puis, comme ma prochaine maille, c'est une maille à l'endroit, je laisse tout simplement ça vers l'arrière pour tricoter jusqu'à la fin du rang. Ensuite, on tourne à nouveau de côté. On est rendu au rang 3, des rangs raccourcis. Donc, je tricote
à l'envers jusqu'à la double maille. Donc là, pour l'instant, il est tout proche. Donc, j'ai seulement deux mailles à faire avant pour ma grandeur. Donc, la double maille est ici. Je la tricote à l'envers avec les deux brins ensemble. Voilà. Puis, je tricote pour ma taille, moi, c'est trois autres mailles avant de tourner. Donc, une, deux et trois. Et je tourne le travail et je vais faire mon autre double maille. Donc, on continue comme ça le nombre de répétitions qui est indiqué dans le patron pour vous rendre justement jusqu'au bout de l'épaule ici environ. Donc voilà, je viens de terminer mes rangs raccourcis. Encore une fois, ça me donne ce genre de petit triangle-là que la partie la plus longue est du côté du col et la partie la plus courte, c'est du côté des manches. Et là, on va débuter les augmentations pour venir encore une fois former le rond de l'encolure. Là, comme on est dans l'autre sens du tricot, au lieu de faire des augmentations au début du rang, on va les faire à la fin du rang, à deux mailles avant la fin. Donc, mais voilà, à deux mailles avant la fin du rang. On va maintenant réaliser une augmentation intercalaire vers la droite. C'est un peu le même principe que celle pour la gauche, mais le sens dans lequel on relève les mailles est un peu différent. Donc, encore une fois, on écarte un petit peu nos mailles pour voir ce genre de petite ligne horizontale entre les deux mailles. On va venir la relever encore une fois avec l'aiguille de la main gauche. Sauf qu'au lieu de partir de l'avant vers l'arrière, cette fois-ci, on part de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Et au lieu de la tricoter dans le brin arrière, on va la tricoter dans le brin avant. Comme ceci. Puis on tricote les deux mailles qui restent. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, mes augmentations pour le devant droit sont terminées. Ça donne quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, votre tricot devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc on voit qu'on a notre épaule droite, notre épaule gauche. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez, mon fil est ici, là, donc vous allez tricoter jusqu'à la fin de l'épaule droite. On va venir monter des mailles ici, reprendre ces mailles-là, puis les tricoter comme ceci. Donc, je viens de tricoter toutes les mailles de mon devant droit et je vais m'apprêter à monter les mailles pour venir rejoindre ici le devant gauche. Moi, j'ai remis tout de suite là, sur une aiguille les mailles du devant gauche. Si vous n'avez pas deux sets d'aiguilles de la même grosseur, ce que vous pouvez prendre, c'est en fait votre autre extrémité de cette aiguille-là, venir la connecter ici, sur le câble ici, puis parce que de toute façon, on va tricoter cette aiguille-là avec celle-là. Donc voilà comment monter les mailles. Moi, la technique que j'utilise, c'est le backward loop cast-on, ou qu'on appelle aussi le montage sur le pouce. Donc, vous venez tout simplement prendre votre fil comme ceci, puis faire une petite loop sur votre fil comme ceci. Donc, prends le fil comme ceci. On vient serrer. Comme ceci. C'est pas un montage qui est très esthétique. Il peut avoir l'air lâche un petit peu, mais de toute façon, on s'en fiche puisqu'on va relever des mailles à cet endroit-là. Fait que c'est pas un montage qui va être apparent au final. Donc, vous continuez comme ça pour monter le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. Moi, pour ma taille, je crois qu'il faut que je monte 18 mailles. Donc, je vous retrouve une fois que mes mailles sont toutes montées. Donc voilà, j'ai mis 18 mailles ici. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir reprendre les mailles ici et on va les tricoter tout simplement à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Regardez ce que vous devriez avoir. Fait que vous devriez avoir toutes les mailles du devant sur votre même aiguille.
Puis ça ici, c'est des petites mailles qu'on a montées. Là, c'est tout simple. À partir de maintenant, vous allez tricoter en aller-retour jusqu'à temps que la pièce du devant soit à la même longueur que celle du dos. Encore une fois, là, il faut que vous preniez votre mesure à partir de la couture de l'épaule. Vous pouvez regarder en arrière où ce qu'elle est. Puis, vous la prenez vraiment au bord du projet. Fait que moi, il faut que j'aille un 6 pouces, là, comme ceci, pour avoir terminé toute ma pièce du devant. Puis, un autre petit truc que je peux vous donner, c'est que vous pouvez tout simplement plier au niveau de la couture. Vous allez voir, ça se plie super bien. On dirait qu'il se forme un petit creux naturel. Puis, vous pouvez à ce moment-là vraiment bien comparer la longueur des deux pièces. Puis, tout simplement tricoter la pièce du devant jusqu'à temps qu'elle soit exactement la même longueur que la pièce du dos. Fait que là, bon, vous voyez, il me reste encore probablement une bonne dizaine de rangs à faire avant d'y être arrivé. Donc, je vais faire ça et je vous reviens. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tôt que prévu parce que je me suis dit que lorsqu'on tricote le premier rang sur les mailles qu'on a montées entre les deux pièces devant, ça peut être un petit peu difficile pour les débutants. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, là, je viens de tricoter la dernière maille là, de mon devant ici. Ça, c'est la première maille que j'ai montée. Il faut juste faire attention de ne pas twister ces mailles-là. La petite partie là, avec une genre de petite bosse doit être par en bas, comme ceci. Fait que assurez-vous qu'ils sont toutes par en bas puis qu'ils sont toutes bien placées comme ceci. Là, vous allez voir, ça peut être un petit peu difficile parce que des fois, ces mailles-là peuvent être un petit peu serrées. Ça peut être un petit peu difficile de les tricoter sur le premier rang. Surtout là, il faut qu'on les tricote à l'envers. Mais prenez votre temps. Vous aider là, en les glissant un petit peu plus sur le bout de l'aiguille. Et vous voyez, une fois qu'ils sont tricotés, ça revient vraiment des mailles normales qui vont être plus faciles à tricoter là, sur les rangs suivants. En fait, ils vont devenir vraiment comme toutes les autres mailles de votre projet. Puis, vous allez voir, là, des fois, là, tout dépendant de la tension que vous avez pris pour monter les mailles, vous pouvez, ça peut paraître qu'il y en a certaines qui sont plus distantes l'une de l'autre, puis certaines qui sont plus rapprochées. Ne vous en faites pas. Au fur et à mesure, vous allez tricoter votre projet, ça va tout se placer. OK, donc j'arrive vraiment à la dernière maille montée tout bientôt. Il m'en reste deux. Donc, une. Et la dernière qui est ici. Et voilà. Oups. Voilà. Donc, la première maille ici, on la tricote aussi. Là, celle-là, faites attention. Des fois, ça peut être bon là, de venir bien serrer. Surtout les deux, trois premières mailles du rang, juste pour être sûr que vous n'allez pas former un trou à cet endroit-là. C'est normal qu'il y ait un petit lousse, là, vraiment, ici, mais on ne veut pas non plus venir créer un trop gros trou. Mais comme je vous dis, aussi, si vous avez un petit lousse, ça aussi, ça, au fur et à mesure que vous allez tricoter votre devant, ça va venir se placer. Donc, soyez pas trop perfectionniste par rapport à ce petit rang-là ici. Vraiment, si vous n'avez pas perdu de maille, que vous avez toutes vos mailles, il n'y aura pas de problème pour le reste de votre projet. Parce que de toute façon, comme je vous dis, on va venir relever des mailles tout autour de ça. Puis, ça va venir faire une plus belle finition. Donc voilà, j'ai terminé ma pièce du devant et ma pièce du dos. Donc, assurez-vous de prendre votre mesure là, en partant de la couture ici, puis en s'en allant jusqu'ici, vraiment mesurer au bord de votre projet. Ou, vous pouvez faire mon petit truc que je vous ai donné tout à l'heure, simplement plier votre tricot en deux au niveau de l'épaule pour s'assurer vraiment que le devant et le dos soient exactement de la même longueur. Donc, une fois qu'on est arrivé à tout ça, vous allez retricoter un rang à l'endroit, ici, sur le devant droit.
sur le devant, je veux dire. Puis là, on va venir monter les mailles ici, sous les bras. Donc, j'ai remis toutes les mailles du dos sur une autre aiguille. Encore une fois, si vous avez juste un set d'aiguilles, vous pouvez venir prendre l'autre extrémité de l'aiguille et venir la connecter ici. On va procéder de la même façon que pour le devant. On va monter, moi pour ma taille, c'est 4 mailles que je dois monter avec toujours la technique du backward loop cast-on ou le montage sur le pouce, comme on appelle aussi en français. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà, les 4 mailles sont montées. Je vais venir maintenant tout simplement tricoter les mailles du dos. Donc, cette fois-ci, je monte, pour ma taille, je monte 2 mailles. Je vais venir placer un petit marqueur sur mon aiguille. Ce marqueur-là, ça va être le début de mon rond, de mon rang. Fait que vous pouvez le laisser là en place jusqu'à la fin du tricot de votre corps. C'est vraiment là que ça va nous indiquer là, où est-ce que le rang commence et le rang débute. Puis, il est au milieu du bras, du dessous bras. Fait que je monte à nouveau 2 mailles. Donc là, j'ai mon total de 4 mailles avec un petit marqueur au centre. Puis, je vais revenir prendre les mailles du devant qui sont à l'autre extrémité, ici. Et là, on joint en rond. Serrez bien là, les 2-3 premières mailles pour éviter qu'il se forme trop un trou à cet endroit. Et je vous montre de quoi ça devrait avoir l'air. Donc voilà, une fois joint en rond, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Vous voyez, on est vraiment en rond sur notre aiguille. Donc tout ce qui vous reste à faire, c'est de tricoter toujours à l'endroit parce que maintenant qu'on est en rond, pour faire du jersey endroit, vous tricotez juste toujours des mailles à l'endroit jusqu'à temps que le corps ait la longueur désirée. Je vous conseille très fortement de l'essayer une fois que vous aurez fait peut-être un 3-4 cm de corps. C'est dur de l'essayer quand vous êtes sur des aiguilles comme ceci, mais vous pouvez utiliser là, des petits corps en plastique là, comme ceci pour mettre vos aiguilles dessus, mettre vos mailles en attente dessus pour que ce soit plus facile de l'étirer, de l'essayer et d'être certain que vous ne perdez pas des mailles parce que c'est un petit peu plate. Essayer son chandail puis finalement devoir en retricoter une partie parce qu'on a perdu des mailles. Juste pour vous assurer que le fit à ce moment-là est bien. Vous pourriez aussi l'essayer un petit peu plus tard dans le corps pour un peu choisir la longueur que vous le voulez. Moi, je recommande des longueurs dans le patron, mais je vous dirais que vraiment, si vous voulez un fit optimal sur vous, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de l'essayer quelques fois pour vraiment voir la longueur que vous désirez. Vous pouvez aussi copier sur un chandail que vous avez déjà à la maison puis refaire la même longueur. Là, ça peut être un chandail du commerce ou un autre chandail que vous avez tricoté et dont vous aimez la longueur. À partir de maintenant, les longueurs, on les prend à partir de sous les bras, là, donc à partir d'ici. Une fois qu'on a tout tricoté ça, je vous reviens et on va faire les côtes. Pauvre, car j'ai fini de tricoter le corps jusqu'aux côtes. Donc, je voulais vous montrer à l'endroit où il faut mesurer. En fait, on part de l'émanchure ici, puis on mesure jusqu'ici. C'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut prendre la mesure pour la longueur du corps. Mais il y a des mesures dans le patron, mais comme je vous dis, c'est très important quand même d'essayer votre chandail à ce point avant de débuter les côtes parce qu'on a toutes des morphologies et des goûts différents. Juste pour s'assurer que ça tombe bien sur vous, puis de choisir la longueur optimale pour vous, pour que votre chandail soit parfait. Donc ensuite, on change pour les aiguilles plus petites. On va tricoter les côtes. On va maintenant débuter les côtes. La première étape, c'est vraiment d'utiliser des aiguilles un petit peu plus petites que celles qu'on a utilisées pour tricoter le corps. Habituellement, on diminue d'environ 1 mm la taille de nos aiguilles pour les côtes. Là, moi, j'ai tricoté le corps en 8 mm, mais des aiguilles 7 mm, je ne pense pas que ça existe. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, j'ai pris des 6,5 mm pour mes côtes.
Si vous avez utilisé par exemple des 6,5 mm pour faire le corps, pour obtenir le bon échantillon, vous pouvez par exemple passer à des 5,5 mm. Et si vous avez utilisé des aiguilles un petit peu plus grosses, ben, le principe c'est simplement de diminuer la taille de nos aiguilles pour que les côtes soient plus régulières et aussi pour que ça resserre un petit peu le tricot là, à ce niveau-là. Donc, des côtes, c'est tout simple. On débute, bien sûr, au niveau du marqueur du début de rang. On va tricoter une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. On continue comme ça tout le long du rang, jusqu'à temps qu'on ait la longueur mentionnée dans le patron. Je crois que c'est 2 pouces ou 5 cm. Donc, c'est tout simple comme ceci. Puis, faites bien attention lorsque vous êtes au rang suivant que vos mailles à l'endroit sont bien alignées et vos mailles à l'envers soient bien alignées à chaque rang pour ne pas que vos côtes soient décalées, là, ce qui serait vraiment pas joli. Donc, pour le rabat dans le patron, je vous recommande de faire un rabat en côte et je vous recommande aussi le rabat tubulaire à l'aiguille. Le rabat tubulaire à l'aiguille, c'est un rabat qui se fait avec une aiguille Allen comme ceci. Sauf que je vous dirais que c'est une technique qui est un petit peu plus avancée en tricot. Ça va vraiment vous donner une finition parfaite, mais c'est une technique qui est un petit peu plus avancée. Donc, si vous êtes débutant en tricot, je vais vous montrer comment procéder pour rabattre vos mailles dans le bas de votre chandail. Si vous êtes un petit peu plus avancé et que vous voulez réaliser le rabat tubulaire, vous pouvez suivre le lien qui est dans le patron qui va vous emmener à une vidéo que j'ai réalisée pour vous expliquer en détail comment réaliser le rabat tubulaire à l'aiguille. Donc, allons-y pour la méthode la plus simple. Donc, pour rabattre les mailles en côte, je vous conseille d'utiliser une aiguille plus grosse. Donc, vous pouvez réutiliser l'aiguille que vous aviez prise initialement pour le corps, là, les 8 mm. Là, je vais retirer mon marqueur du début de rang parce que je vais juste rabattre mes mailles. Donc, j'en ai plus vraiment besoin. Donc, vous tricotez, la première maille, c'est une maille à l'endroit, donc vous la tricotez à l'endroit. Puis, vous tricotez la prochaine maille, qui est une maille à l'envers. Comme ceci. Puis, vous venez tout simplement rabattre cette maille-ci par-dessus la suivante. On va le faire à nouveau. Donc, je tricote une maille. Je prends ma maille, la deuxième maille, puis je la passe par-dessus la première. Là, la prochaine maille, vous voyez, c'est une maille à l'envers, donc je vais venir la tricoter à l'envers. Je vais prendre cette maille-ci et je la passe par-dessus. Ma prochaine maille, c'est une maille à l'endroit. Je la tricote à l'endroit. Je prends cette maille-ci et je la passe par-dessus. Donc, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Comme je vous dis, ce n'est pas la technique de finition la plus nette, mais ça fait le travail. C'est quand même assez élastique. Puis, c'est très facile surtout. Donc, mes côtes du bas sont rabattues. Là, vous voyez, c'est ça que ça donne le rabat tubulaire. Ça donne vraiment un rendu qui est très propre. On va maintenant attaquer l'encolure. C'est vraiment important de faire l'encolure avant de faire les manches parce que c'est vraiment ça qui va venir placer le chandail sur vos épaules correctement. Puis, c'est ça qui va déterminer ensuite, une fois que le chandail va être bien placé sur vos épaules, c'est à partir de là qu'on va pouvoir déterminer quelle longueur vous allez tricoter vos manches. Donc, je vous conseille de toujours débuter par le col. Il y a plusieurs patrons sur le marché qui disent de faire les manches avant le col et de faire vraiment le col à la fin, mais moi, de mon avis personnel, lorsqu'on tricote un chandail du haut vers le bas, faites toujours votre col avant de faire vos manches. C'est vraiment important. Donc, pour relever les manches, les mailles pour le col, on va débuter ici. Vous voyez, il y a la petite couture de l'épaule. On va débuter au niveau du dos, au niveau de l'épaule droite, lorsque vous portez le chandail sur vous. Donc, me voilà au dos de mon épaule droite. On va procéder de la même façon un peu qu'on a procédé pour venir relever les mailles là, sur le dos pour venir faire les devants. Donc, on localise la première maille qui a été montée. Donc, on voit là que c'est elle ici. Je vais venir piquer dedans. Je vais joindre mon fil en me laissant, bien sûr, un bout assez long pour pouvoir rentrer les mailles à la toute fin. Et je relève ma maille.
Donc, pour toute la partie du dos, c'est facile. On relève une maille pour chaque maille qui a été montée. Donc, vous continuez comme ceci pour chacune des mailles qui a été montée. Donc, on va ici. Donc, me voilà à relever la toute dernière maille du dos. Puis ensuite, on va venir relever les mailles dans l'autre sens. Ça, c'est sûrement la partie que les gens trouvent un petit peu plus compliquée. C'est pas difficile, il faut juste plus prendre son temps un petit peu. Parce que là, ici, on était dans le même sens que le tricot. Mais là, on a le tricot qui s'en va dans ce sens-là et on va relever des mailles dans ce sens-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est dans le patron, c'est de relever 3 mailles à toutes les 4 rangs. Donc, pour compter vos rangs, en fait, chaque rang, c'est chaque petite maille comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je releverai les 3 premières, je sauterai elles, puis je releverai les 3 suivantes. À quel endroit est-ce qu'il faut que je pique? En fait, moi, je pique entre le premier V et le deuxième petit V. Là, vous allez voir, quand vous regardez votre tricot comme ça, on a l'impression que ça, c'est le premier V, mais le jersey, ça roule toujours, puis vous allez pouvoir déplier comme ça une autre rangée de petits V. Donc, moi, je vais vraiment venir piquer entre le premier puis le deuxième petit V. Puis vous allez voir, sur votre aiguille ici, vous allez avoir les deux pattes du petit V. C'est ça que vous devez avoir. Donc, je vais y aller doucement avec vous. Là, celle-là est un petit peu lousse parce qu'en fait, c'était la première maille du rang, puis j'ai un petit fil sur l'envers là, que je peux tirer ici. Donc, je viens piquer là-dedans. Ça, ça fait une maille. Le petit V suivant, vous voyez, une fois qu'on en a fait une, là, c'est plus facile de venir ouvrir puis de voir le trou dans lequel il faut qu'on pique. Donc, encore une fois, sur mon aiguille ici, j'ai mon petit V comme ceci. Donc, 2, puis 3 mailles. Ensuite, vous pouvez venir justement ouvrir. Là, vous voyez que le prochain trou, ça serait lui ici. Je le saute parce que là, je viens d'en faire 3 et je continue ici. 1. Voyons, mon fil s'est accroché. 2. Et 3. Puis, à nouveau, vous voyez, ça c'est. Bon, dans ce trou-là, je viens de relever ce fil-là. J'ai mon trou ici que je vais sauter et je vais au prochain qui est ici. Puis, à nouveau, j'en relève 3 de suite. Et voilà. Puis là, ce que ça doit vous donner pour cette partie-là, si vous avez toujours bien relevé, vous allez voir avoir vraiment une belle ligne de petits V de maille comme ceci ici. Si jamais vous avez relevé un petit peu trop loin à certains endroits, vous allez voir la ligne, elle va comme être brisée. Vous allez avoir une maille qui part un petit peu plus loin. Fait que c'est vraiment comme ça que vous pouvez savoir si vous l'avez faite correctement. C'est normal que ça vous fasse un genre de petit truc bizarre là, ici à la jonction entre le dos puis ça. Vraiment, au fur et à mesure que vous allez tricoter, ça va s'améliorer tout ça. Donc, on fait ça pour toute la partie horizontale du devant jusqu'à temps qu'on arrive aux mailles qu'on a relevées pour le devant. Donc, je viens de terminer de relever les mailles pour mon épaule ici. Là, vous voyez la jolie ligne là, que ça vient créer ici comme ça. Là, maintenant, on va venir tourner le coin pour venir relever les mailles du devant. Donc, avant de commencer, moi, je vous dis, commencez juste par localiser exactement où vous êtes. Commencez par localiser justement la ligne ici de maille. Ça, c'est donc ma première maille de la partie de l'épaule, c'est elle ici. Ça, c'est la première que je vois. Ça, c'est celle dans laquelle j'ai relevé les mailles. Puis, donc, ma première maille du devant est ici, celle-ci. Fait que si vous avez utilisé le backward loop cast-on, comme moi, pour monter les mailles du devant, moi, je trouve que c'est facile de relever les mailles. Vous voyez, la première maille, c'est le petit V à l'envers ici. Je trouve que c'est facile de relever les mailles entre chacune des mailles. Donc, vous la relevez dans un V au lieu de dans un V à l'envers. Donc, ma première maille est ici. Donc, je vais venir relever dans le juste avant cette première maille-là. Donc, ici, assurez-vous là, d'avoir deux brins ici et pas seulement un.
sur votre aiguille. Donc, je vais relever ici. Ensuite, dans le prochain V à l'endroit, ici comme ceci. Donc, sautez toujours là, un petit V à l'envers, relevez dans le prochain. Assurez-vous que vous avez deux mailles sur vos aiguilles ici. Puis, on continue comme ça. Puis, voilà, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez, tout est super beau. Donc, on continue comme ça pour toutes les mailles du devant. Vous allez tourner le deuxième coin du devant de la même façon et relever les mailles de l'épaule, de l'autre épaule de la même façon. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc, une fois toutes les mailles relevées, on tricote tout simplement en côte 1-1, de la même façon qu'on a procédé pour le bas de notre chandail. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. La seule chose, c'est avant de débuter vos côtes, assurez-vous juste d'avoir un nombre pair de mailles sur vos aiguilles avant de les réaliser. Si jamais vous avez un nombre impair, tout simplement relevez au début ou à la fin là, une maille de plus ou une maille de moins. Cassez-vous pas plus la tête que ça avec ça. C'est vraiment juste pour que les côtes 1-1 adonnent bien vu que c'est un multiple de deux mailles. Donc dans le patron, je vous propose deux choix de grandeur de col. Il y a un petit col là, tout simple pour avoir simplement un petit col rond qui est parfait, mettons, si vous voulez porter une blouse en dessous de votre chandail là, pour avoir le petit col qui dépasse. À ce moment-là, vous tricotez vos côtes et vous rabattez les mailles exactement de la même façon que je vous ai montré pour le bas du corps du chandail. Donc, vous pouvez faire soit le rabat tubulaire comme moi j'ai fait ou la méthode un petit peu plus simple pour les débutants pour rabattre les mailles tout au long du col. Sentez-vous bien à l'aise si vous voulez faire un petit peu plus de côtes qui est recommandé dans le patron. Vous pouvez le faire, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est vraiment une question de goût puis de vos modifications personnelles. Puis, moi, j'ai choisi de faire l'option, vous voyez, là, j'ai vraiment très longue côte. J'ai choisi de faire l'option de petit col double montant. Donc, on replie simplement les mailles vers l'intérieur comme ça. Puis, on va venir fixer nos mailles, un peu faire une petite couture pour maintenir ça en place comme ceci. Moi, j'adore les gros cols comme ça. C'est tellement douillet, surtout là avec la laine épaisse. Puis, elle est vraiment très douce. Je pense que ça va être super confortable là, pour cet hiver. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment faire un col double. Donc, pour réaliser le col double élastique, il faut tout d'abord couper notre fil qui est attaché sur la pelote en se gardant une longueur d'environ 3 fois la circonférence de votre col. Puis, vous insérez une aiguille Allen. Ça va se faire avec tout ça. Donc là, il faut replier notre col vers l'intérieur. Là, pour ne pas décaler notre col, il faut localiser un peu notre première maille parce qu'il faut que notre première maille ici corresponde à la première masse là, à la base du col. Fait que souvent, c'est facile, on peut s'orienter avec le fil, quand on a joint le fil pour débuter de tricoter notre col. Puis, ce qu'on va faire, c'est que, là, vous voyez, ma première maille de mon col, c'est celle-ci, c'est une maille à l'endroit. Donc, ça veut dire que quand je suis sur l'envers, ma première maille, c'est cette maille à l'envers-ci. Ça veut dire que ce que je vais faire, je mets ça vis-à-vis comme ceci. Donc, ma première maille de mon col, la base de cette maille-là, c'est ça ici. Je vais simplement venir glisser mon fil dans ma maille et dans la genre de petite bordure ici là, qu'on crée en relevant les mailles. Là, vous pouvez prendre juste le brin. Ça ne dérange pas en fait n'importe quel brin que vous allez prendre. Là. L'important, c'est juste de venir fixer ça ici comme ça. Là, vous allez passer votre fil là-dedans. Pris dans mon autre aiguille. Voilà, fait que je passe simplement mon fil dedans, puis là, je laisse tomber la maille. Fait que là, ben, ma maille est vraiment fixée ici comme ceci. Fait que là, on continue toujours comme ça, c'est super simple. Donc ici, j'ai une maille à l'envers. Faites sûr que là, vous êtes dans une maille à l'endroit cette fois-ci. On la voit ici. Continue comme ceci. Laisse tomber la maille. Encore une fois, là, je suis dans une maille à l'endroit. Ici. Ici, je vais être dans la maille ici. Et on laisse tomber la maille. Voilà ce que ça devrait vous donner. Donc, on a les deux épaisseurs de colle.
ça fait une genre de petite couture là, comme ceci là, qui est bien propre sur l'extérieur. Puis c'est surtout, comme je vous dis, super, super élastique. C'est autant élastique que le restant de votre tricot. Donc une fois notre col terminé, on va venir relever des mailles au niveau de la manche. Donc vous regardez dans le patron le nombre de mailles qui est à relever pour votre taille. Moi, je fais la taille X small, donc j'ai 42 mailles à relever ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez relever une maille pour chaque maille en fait qui a été montée ici sous le bras. Moi, pour ma taille, j'ai monté 4 mailles ici, donc je vais commencer par relever ces 4 mailles-là. Ensuite, on va venir relever les mailles ici, un peu de la même façon qu'on a fait pour la partie ici du col. Donc là, j'ai 42 mailles, donc moins 4 mailles, ça va me faire 38 mailles à relever. Et c'est bien important d'en relever la moitié d'un côté jusqu'à la couture de l'épaule et l'autre moitié de l'autre côté jusqu'ici. Donc si je fais 38 divisé par 2, ça va me donner 19 mailles. Donc je vais devoir relever 19 mailles ici et 19 mailles là. En temps normal, ça nous donne à peu près un ratio de 2 mailles à tous les 3 rangs. Fait que vous voyez ici, on a tous nos rangs qui sont là. Et chaque petite maille, donc on va en relever dans le fond 2, on va en sauter une, on va en relever 2, on va en sauter une. Ça devrait être à peu près ça le ratio pour en relever 19. Des fois, il va peut-être falloir en espacer peut-être un petit peu plus ou en rapprocher un petit peu plus, mais de règle générale, c'est pas mal ça le ratio là, pour relever des mailles pour des manches. Faites juste attention de ne pas sauter plus que 2 mailles. Donc, dans le fond, si vous pouvez en relever une, en sauter une, en relever une. Mais ne sautez jamais genre 2 mailles parce que là, ça va vraiment venir vous faire un trou qui ne sera pas vraiment facile à venir refermer par la suite. Fait que faites bien attention là, de ne pas sauter 2 mailles lorsque vous relevez dans cette section-ci. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je vous retrouve sous le bras. Donc, moi, pour ma taille, j'avais 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles à monter sur le bras. Sous le bras, je veux dire. Fait que je vais relever chacune de ces 4 mailles-là. Donc, j'insère mon aiguille dans la première maille. Je vais joindre mon fil en me laissant un bon bout de fil pour pouvoir rentrer les mailles à la fin. Je vais relever la première. Ensuite, la deuxième. La troisième. Et la quatrième ici. Voilà. Là, vous pouvez placer un marqueur au centre de ces 4 mailles-là. C'est ça qui va indiquer le début de votre rang. Puis c'est à partir de ce marqueur-là que vous allez faire les diminutions si vous choisissez l'option de la manche avec les diminutions. Ensuite, on va relever la première partie de la manche ici jusqu'à la couture de l'épaule. Quand je parle de la couture de l'épaule, là, c'est la genre de petite fausse couture qu'on a à l'intérieur, là, comme vous voyez ici, qui a été créée lorsqu'on relevait les mailles du dos pour le devant. C'est pas vraiment une couture parce qu'on n'a pas cousu, mais ça donne vraiment l'aspect d'une petite couture vers l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment le milieu de notre épaule. Donc, moi, il fallait que j'aille 19 mailles jusqu'ici, puis 19 mailles de la petite couture jusqu'à mes 4 mailles ici. Donc, là, pour commencer à relever les mailles à la verticale, comme je vous disais, commencez juste par vous localiser. Donc ici, j'ai ma dernière maille là, montée pour le dos. Donc, ça, c'est ma première maille de la partie là, du devant ou du dos, dépendant de quel côté vous êtes. Donc, je vais relever entre cette colonne de mailles-là et cette colonne de mailles-là. Donc, la première, ça me donne environ ici. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment deux petits brins ici sur votre aiguille. Donc, j'y vais comme ceci. Là, l'espace suivant il est ici. Là, je vais en sauter un parce que je vous disais que je vais faire un ratio environ de 2 mailles tous les 3 rangs. Donc, j'en ai sauté un. Je fais la prochaine. Le prochain espace, il est là. Je relève une autre maille. Donc, voilà. Ça va vous donner à peu près quelque chose comme ceci. Puis, là, une fois que je vais être rendue ici, je vais compter pour m'assurer que j'ai vraiment mes 19 mailles là, entre là et là. Puis, si jamais j'ai pas 19 mailles, il faut vraiment pas hésiter à détricoter puis recommencer à relever les mailles correctement jusqu'à temps qu'on aille le bon nombre. Puis ensuite, je fais la même chose pour la deuxième section ici. Donc, je vous retrouve une fois que tout ça, c'est fait.
Donc voilà, j'ai mis 42 mailles relevées tout au long de mon émanchure. Bon, il y a plein de fils qui ne sont pas rentrés. J'ai mis le marqueur au centre des 4 mailles ici. Donc ça, c'est vraiment le début de mon rang. Moi, ce que je vais faire, c'est que si vous avez des petites aiguilles assez petites pour faire tout ça, vous pouvez tricoter tout simplement en rond sur des mini circulaires. Moi, j'en ai pas des petites de cette grosseur-là. Puis je vous dirais, c'est plutôt rare là, en 8 mm des mini circulaires. Donc, moi, je vais le faire avec mes aiguilles régulières en Magic Loop. Donc, si vous avez besoin de faire le Magic Loop, là, il existe plein de vidéos là, qui expliquent vraiment comment faire le Magic Loop. Je vais vous mettre un lien dans la barre de description si vous avez besoin de plus de détails sur cette technique-là. Mais sinon, en gros, vous venez prendre tout simplement un petit bout de fil comme ceci que vous venez tirer. Voilà, comme ceci. Fait que là, vous avez votre loop qui sert à faire le Magic Loop. Puis, moi, je vais venir tricoter, dans le fond, un peu comme si on tricotait sur deux aiguilles, comme ceci. Fait que je vais commencer à faire quelques rangs. Là, il faut que je fasse un certain nombre de rangs avant de faire le premier rang de diminution. Là, dans le patron, vous avez deux options de manches. Vous avez une manche qui a seulement des diminutions à la fin, avant les côtes. Là, je vais vous montrer, là. Une manche, en fait, qu'on fait juste des diminutions, un rang de diminution avant les côtes, ça va venir faire une manche qui est un petit peu bouffante, bien, qui est plus ample, ou l'option de la manche, comme je vais vous montrer, là, moi, j'ai fait ma première comme ceci, qui a des diminutions régulièrement, ça va faire une manche un petit peu plus ajustée. Moi, c'est ça que je vais faire, là, pour vous montrer comment faire ces petites diminutions-là. C'est la manche qu'on a besoin d'être un petit peu plus attentif parce qu'il faut compter nos rangs et faire les diminutions, ne pas oublier de faire des diminutions en fait. Fait que je vais vous montrer. Fait que je vais tricoter le certain nombre de rangs que j'ai à faire dans le patron avant de faire mon premier rang de diminution et je vous montre comment procéder à ce moment-là. Donc, j'ai tricoté le nombre de rangs nécessaires pour avant de débuter mon premier rang de diminution. Donc, pour faire le rang de diminution, là, moi, j'ai enlevé mon marqueur là, parce que vu que je suis en Magic Loop, je me suis arrangée pour que le début de mon rang corresponde au début de mon changement d'aiguille. Donc, on n'a pas besoin de notre marqueur à ce moment-là. Je suis bien au début de mon rang. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on tricote une maille. Puis, on tricote deux mailles ensemble. Donc, ces deux-là, je viens les prendre les deux ensemble. Puis, je les tricote ensemble comme ceci. Ensuite, je tricote à l'endroit tout le tour jusqu'à 3 mailles avant la fin de mon rang. Puis ensuite, on va faire l'autre diminution. Je vous montre ça lorsque je suis rendue là. Donc, me voilà à 3 mailles avant la fin du rang. Ensuite, on va faire un GGT ou en anglais, ça s'appelle un SSK. Ça veut dire on va glisser 2 mailles comme pour les tricoter à l'endroit. Donc, une, puis deux. Là, vous allez venir insérer votre aiguille dans le devant de ces deux mailles-là, comme ceci. Puis, on va tricoter ces deux mailles-là ensemble. Fait que ça va vous donner une diminution comme ceci. Donc, je tricote ensuite la dernière maille. Donc, voilà, mon premier rang de diminution est complété. Je vais vous montrer sur mon autre manche qui est terminée, qu'est-ce que ça devrait donner comme aspect. Tricote deux mailles ensemble à l'endroit, ça me donne ça ici comme diminution. On en a une autre ici. Une autre ici, c'est vraiment assez invisible comme diminution. Puis, du côté des GGT ou SSK, ça va me donner ça ici comme ceci. Et voilà! Fait que, si vous voulez compter les rangs, entre vos diminutions pour savoir où est-ce que vous êtes rendu. Là, vous voyez, ça, c'est ma diminution. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. On peut le compter nos rangs comme ceci pour savoir quand on est rendu pour notre prochaine diminution. Donc, on va continuer en répétant la séquence de tricoter un certain nombre de rangs, faire un rang de diminution, tricoter un certain nombre de rangs, faire un rang de diminution, jusqu'à temps que vous ayez fait tous les rangs de diminution dans le patron. Puis ensuite, vous continuez votre manche jusqu'à temps que vous soyez rendu à la mesure désirée ou environ jusqu'à 2 pouces de moins que
la longueur désirée. Je vous conseille vraiment là, d'essayer votre manche souvent, surtout lorsque vous tricotez la première. Une fois que vous avez tricoté la première, la deuxième, vous avez tout simplement la faire pareil. Parce que bien sûr, on a toute une forme de bras un petit peu différente, une longueur de bras un peu différente. Comme moi, je tricote la plus petite taille, mais je sais que j'ai des très très longs bras, donc il faut que je tricote ma manche un petit peu plus longue que ce qui est indiqué dans le patron. Donc, sentez-vous bien à l'aise là, d'adapter ça un petit peu au fur et à mesure. C'est pas des modifications qui sont compliquées là, d'allonger ou de raccourcir une manche. Puis, lorsque vous prenez la mesure de votre manche, vous la prenez bien sûr à partir des mailles que vous avez relevées ici. Vous pouvez la prendre sous le bras, mais en fait, la manche, elle fait la même longueur partout. Fait que, des fois, c'est facile de s'enligner là, à partir d'ici. Là, on voit bien où est-ce qu'elle débute puis où est-ce qu'elle termine pour savoir la longueur de votre manche. Donc, voilà. Puis, une fois que tout ça est terminé, on va venir tricoter en côte. Pareil comme on a fait dans le bas du corps, on vient rabattre les manches, les mailles des manches. Moi, j'ai fait le rabat tubulaire, mais vous pouvez aussi faire le rabat tout simple pour les débutants que je vous ai montré dans la section là, pour le bas du corps. Puis ensuite, une fois que notre première manche est terminée, on a juste besoin de tricoter la deuxième de façon complètement identique. Et à ce moment-là, votre pull va être terminé. Donc, je vous retrouve une fois que vos deux manches sont terminées pour vous montrer comment réaliser les finitions de votre chandail. Donc, voilà! Une fois les deux manches terminées, la partie tricot de notre pull est maintenant terminée. On va maintenant s'attaquer aux finitions. C'est une étape qu'il ne faut vraiment pas négliger si on veut avoir vraiment un rendu qui est professionnel et qui est très propre. Moi, je vais vous montrer comment je rentre mes fils sur les côtes et sur le jersey envers. Donc, la première étape, je vous dirais, c'est de tourner votre chandail à l'envers. Donc, j'ai reviré mon chandail à l'envers et j'ai centré ma caméra sur un beau petit trou de changement de pelote. Ça, c'est complètement normal d'avoir ça. On va maintenant rentrer les fils. Donc, on a besoin d'une aiguille Allen comme ceci. Là, la mienne est peut-être un petit peu pointue. Là. J'ai perdu toutes mes aiguilles Allen. C'est la seule qui me reste. Mais bon, ça va faire l'affaire pour aujourd'hui. Le but, c'est de venir refermer ce trou-là pour que ce soit invisible. Donc, on va venir en fait croiser les fils comme ceci. C'est vraiment ça qui va venir fermer le trou. Donc, je vais commencer avec le brin ici. Puis là, on va suivre, en fait, le sens du tricot. Donc, on va toujours partir d'un... Là, vous voyez, là, les mailles à l'envers, il y a comme des petits bonhommes qui font un visage triste, puis des petits bonhommes sourire. Moi, je pars tout le temps d'un petit bonhomme triste vers un petit bonhomme sourire, ou d'un petit bonhomme sourire vers un bonhomme triste. Fait qu'on rentre dans un bonhomme triste, on s'en va dans un bonhomme sourire. Comme ceci. Là, serrez pas trop. Essayez de garder la même tension que votre tricot, tout simplement. Donc ensuite, on passe comme ça. On s'en vient ici, un petit bonhomme triste, un petit bonhomme sourire. Comme ceci. On saute et encore une petite maille, un petit bonhomme triste vers le bonhomme sourire. Et encore une fois, on saute ça ici, petit bonhomme triste, vers un petit bonhomme sourire. Puis là, vous voyez que ce que j'ai fait, ça paraît vraiment pas beaucoup, c'est vraiment invisible sur l'envers. Fait que votre chandail va être aussi beau à l'envers qu'à l'intérieur. Donc, je peux continuer encore quelques mailles, là. Si vous utilisez... Moi, j'utilise une laine là, qui n'est pas traitée lavable, là, qui est non superwash, qu'on appelle. Donc, je n'ai pas besoin de le faire beaucoup parce que les mailles viennent un petit peu coller ensemble. Mais si vous utilisez une laine qui est traitée superwash, faites-le un petit peu plus longtemps, là, juste pour être certain que ça ne se défait pas. Mais je vous garantis, vous n'avez pas besoin de faire de nœuds. Puis, si vous utilisez vraiment de la laine, ça ne se défait pas. Ou du mohair, là.
Puis là, on vient couper notre fil. Gardez-vous au moins un ou deux centimètres parce que vraiment souvent au blocage, le tricot vient s'étirer puis le petit fil ici vient raccourcir. Fait que si vous ne voulez pas que votre fil raccourcisse trop puis qu'il vienne ressortir de l'autre côté de votre tricot, laissez-vous, je vous dirais, un ou deux centimètres au moins de fil. C'est toujours mieux d'en laisser un petit peu plus. Puis au pire, après le blocage, vous pouvez venir le recouper un petit peu plus court, mais on ne coupe jamais ça trop à ras parce que vraiment, c'est ça qui vient faire en sorte que ça peut ressortir de l'autre côté, puis c'est pas très joyeux quand ça arrive. Bon, puis maintenant, encore une fois, mon fil ici, qu'est-ce que je vais faire avec? Là, il faudrait que je fasse ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je pense que je vais partir d'ici. Un petit bonhomme sourire vers un petit bonhomme triste. Ça va bien venir refermer mon trou. Ouais, c'est parfait comme ça. Encore une fois, je saute la maille ici. Un petit bonhomme triste vers un petit bonhomme sourire. Comme ceci. Fait qu'on continue comme ça. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on rentre les fils sur le jersey en vert. Je vais vous montrer maintenant pour les côtes qu'est-ce qu'on fait. Donc, pour les côtes, là, je suis sur le bas d'une manche, mais c'est la même chose sur le bas d'un chandail. Lorsqu'on finit notre rabat, on a toujours une maille, là, ça vient faire quasiment comme une petite marche d'escalier. Fait que pour venir refermer ça, là, je suis sur l'envers, là, je vais me mettre... Ici, ça, c'est l'endroit de mes côtes. J'aime bien revenir juste repiquer dans la maille endroit suivante, comme ceci, juste pour venir un peu essayer de refermer le petit gap que j'ai entre les deux. Puis, ensuite, sur l'envers, pour rentrer les fils sur les côtes, attendez un peu, je vais me placer comme ceci, ça va être plus facile. Le but, c'est simplement de venir glisser l'aiguille dans chacune des mailles, comme ceci. Vous voyez? Dans une patte de la maille à l'endroit qui est sur l'envers. Voyons. Puis là, vous venez glisser ça doucement comme ceci. Encore une fois, là, on ne tire pas. On essaie de garder exactement la même tension que notre tricot pour que ce soit le moins apparent possible. Moi, ça, souvent, je le fais tout le long de mes côtes. Comme ceci. Donc, moi, je le fais tout le long de mes côtes. Puis, rendu au bout, ici, je vais rentrer mes fils en faisant le truc des petits bonhommes sourires puis des petits bonhommes tristes. Pareil comme j'ai fait, je le range juste sur quelques mailles, juste pour venir fixer ça là, puis être certain que ça ne glisse pas. Mais vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup apparent, puis ça diminue pas non plus l'élasticité de nos côtes, là, vu qu'on est dans le même sens que les côtes. Donc, c'est comme ça que je procède pour rentrer mes fils. Donc, bravo! Vous venez de terminer votre premier chandail au tricot. Si vous l'avez tricoté dans un fil naturel, c'est-à-dire avec de la vraie laine, je vous conseille fortement de le bloquer. Je vous mettrai un lien dans la barre de description de la vidéo là, pour expliquer un peu comment procéder et à quoi ça sert. Si vous avez tricoté votre chandail dans une laine là, qui n'est pas de la laine, qui est comme par exemple de l'acrylique, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Et j'espère que vous allez porter fièrement votre chandail, qu'il va vous tenir au chaud et que surtout que ce projet-là va vous donner envie de réaliser d'autres chandails au tricot. Et je vous dis vraiment, si vous avez été capable de tout faire ceci jusqu'à maintenant, vous êtes maintenant pas mal capable de faire n'importe quel demi-patron de chandail. Vous avez acquis toutes les techniques qui étaient nécessaires pour faire vraiment la majorité des autres patrons de chandail. Donc, n'hésitez pas à partager vos créations de ce chandail-là sur les réseaux sociaux, de m'envoyer des photos. Ça va me faire vraiment plaisir de voir tout ça. Donc, à la prochaine! Bye bye!